en ce jour solennel où le Burundi s'associe à d'autres nations du monde entier pour célébrer la 40e journée mondiale de l'alimentation et la 75e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Les efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires au développement ont permis d'enregistrer des résultats encourageants sur le plan de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est dans ce cadre que des actions entreprises par le gouvernement en coordination avec la FAO pour lutter contre la faim et le changement climatique sont nombreuses. Elles sont toujours actives et se déroulent en priorité dans les zones rurales. Pour ce faire, le bureau de la FAO travaille main dans la main avec les services techniques du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage pour appuyer les initiatives locales et nationales. Depuis l'année 2019, le bureau de la FAO au Burundi met en œuvre son cadre de programmation pays signé avec le gouvernement du Burundi pour une période de 5 ans, de 2019 à 2023, et qui se décline en 3 axes prioritaires, à savoir l'amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le renforcement de la résilience face au changement climatique et le renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles du secteur rural. Ces 3 piliers contribuent aux objectifs du plan national de développement, à ceux de la stratégie agricole nationale, au cadre des Nations Unies pour l'aide au développement, ainsi qu'aux objectifs de développement durable. C'est dans ce cadre de coopération que nous avons accompagné des groupements agricoles un peu partout sur le territoire national pour développer ensemble de bonnes techniques de production et organisationnelles. Dans beaucoup de communes, nous avons développé l'approche caisse de résilience pour favoriser la responsabilisation et l'engagement des communautés dans l'application des bonnes pratiques agricoles, nutritionnelles, environnementales, économiques et sociales. Globalement, cette approche a permis aux communautés d'exploiter pleinement leurs capacités et de disposer des différentes options productives, financières et sociales pour mieux anticiper, réagir et s'adapter aux risques liés aux conditions de vie en milieu rural. Les activités issues de cette approche ont permis aux bénéficiaires de générer des sommes d'argent pour créer leurs propres projets et leurs propres business. Ces activités ont permis aussi de désenclaver des zones de production par la réfection de 213 pistes rurales, rendant possible l'accès des produits agricoles dans les marchés locaux. Pour conserver et améliorer la tradition des stockages de produits agricoles au Burundi et pour aider les producteurs à mieux tirer profit des chaînes de valeur ou encore pouvoir négocier sur un même pied d'égalité avec les différents opérateurs, la FAO prévoit des infrastructures de stockage de produits agricoles dans les provinces de Muramvya, Mwaro et Gitega, avec une unité de transformation de farine de maïs à Muramvya. Également, des greniers féminins sont en cours de préparation dans certaines communes de Bubanza, Ruyigi et Tchankouzo. Concernant la lutte contre la malnutrition, la FAO Burundi apporte à travers des champs écoles paysans des appuis techniques pour la production des cultures à haute valeur nutritionnelle et la distribution des semences maraîchères pour la mise en place de jardins potagers. Dans le cadre de la restauration de paysages dégradés et l'augmentation de la productivité des terres agricoles, la FAO met en avant l'approche d'aménagement intégré et participatif de bassins versants à travers le reboisement des terres impropres à l'agriculture. Elle appuie les techniques de l'agroforesterie et la mise en place de dispositifs anti-érosifs pour la conservation des eaux et des sols dans 9 bassins versants dans les provinces de Mwaro, Muramvya et Gitega. À travers ces interventions, 14 000 hectares de bassins versants sont actuellement couverts sur 30 000 hectares prévus d'ici 2022. Je fais un plaidoyer pour ces femmes et ces hommes qui se trouvent derrière la production agricole. Cette population qui travaille dans l'ombre, jour et nuit pour notre alimentation dans les villes.
Sans le savoir, ils assurent notre existence. Donnons-les des moyens pour qu'ils assurent de façon aisée la production, la nutrition et la préservation.